Allez, bonjour tout le monde, c'est The Crazy Gamer. Et bah aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle série, donc une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 du tuto modding. Alors donc ça sera des tutos modding tout simplement assez pour le début simple. Du style pour l'instant, comment enlever un bâtiment. Donc je suis sur la map Belgique profonde, j'ai enfin réussi à la refaire fonctionner. Et oui, hein, j'ai galéré, mais j'ai enfin réussi. Donc voilà. Donc rappelez-vous, oula, rappelez-vous que quand vous, vous arrivez sur la map, vous avez tout simplement un bâtiment en face. Donc là où vous voyez les véhicules. Eh bien, tout simplement, il n'y est plus. Vous allez dire, mais comment est-ce que j'ai fait? Eh bien, tout simplement, je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. Donc pour pouvoir réaliser donc ce tuto modding, il vous faut donc tout simplement vous rendre dans la catégorie donc des mods dans votre jeu, donc My Game, Farming Simulator 15, mod, et ensuite vous sélectionnez donc la map sur laquelle vous voulez enlever un bâtiment. Donc pour ma part, ça sera Belgique profonde. Donc vous prenez pardon, le dossier zip et vous le mettez sur votre bureau. Une fois que tout ça est affiché, voilà, on laisse comme ça. Donc hop, vous faites un clic droit dessus et vous faites extraire vers Belgique profonde V2 15 slash. Enfin moi c'est en anti-slash. Donc voilà, vous attendez que ça se termine et vous voyez que le dossier il est juste là. Alors vous l'ouvrez. Vous allez prendre donc le fichier donc i3D. Voilà, vous allez l'ouvrir. Donc je vais prendre donc celui-là. Vous attendez donc que ça s'ouvre. Ensuite, normalement, si tout se passe bien, en haut, vous allez avoir voilà, un ne répond pas. Donc, vous laissez faire, vous ne touchez surtout à rien. Vous attendez que ça revienne. Et voilà, une fois que c'est venu, donc vous pouvez enlever la fenêtre qui est là. Et vous voyez que, oula, ça lag. Et donc, oula, comme j'ai déjà fait tout simplement, j'ai déjà modifié la map avec Giant Editor 6.0.3, j'ai enlevé donc le bâtiment. Qui est là et tout simplement pour pouvoir soit en mettre un autre ou alors en enlever un voilà. Alors donc moi pour l'instant je vais faire un petit modif qui ne va pas être intéressant donc pour la vidéo. Donc tout simplement une fois que ma modif est faite, pardon, je vous retrouve une fois que tout est terminé. Donc À tout de finalement, non, suite. je vais pas faire ma petite modif. On va directement passer donc comment est-ce qu'on va enlever tout simplement un bâtiment. Donc par exemple, je vais prendre un exemple concret. Hein, je veux enlever donc ce petit garage là complètement nul. Donc tout simplement, vous allez cliquer sur le bâtiment, mais là je vois que ça va tout enlever. Donc on va peut-être éviter de prendre celui-là. Qu'est-ce que je. Voilà, par exemple, c'est pas un bâtiment, mais c'est la même chose pour tous les bâtiments en fait. Vous sélectionnez l'outil que vous voulez enlever et vous attendez que vous voyez. Enfin, que le. Comment que ça s'appelle? L'objet que vous avez sélectionné en fait, il y a un contour bleu ou alors qu'il soit tout bleu et des flèches ici. Donc par exemple, là, je peux le bouger, je peux. Hop, je peux faire ce que je veux. Voilà. Et à partir de là, vous allez appuyer sur Supre. Voilà. Ensuite, vous allez voir que ici, il va avoir un petit défilement. Hein, et c'est entièrement normal. C'est tout simplement parce que le fichier, dès que vous l'enlevez d'ici, il s'enlève aussi du SendGraph. Et pareil pour là, Supre. Vous voilà. Hop, ici, ça va chercher le fichier, puis ça va l'enlever. Et il est enfin donc enlevé. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est on va voir sur le jeu hein, si ça a marché. Pour aller voir sur le jeu, vous allez aller donc sur la croix, vous faites quitter, save change, donc oui, vous faites oui. Ça va mettre Giant Editor ne répond pas, c'est entièrement normal. Voilà, vous laissez faire. Ensuite, le ne répond pas va s'enlever. Et donc voilà. Ensuite, vous allez revenir donc en arrière, ici. Vous allez faire contrôle A, clic droit, tout en restant appuyé sur contrôle. Ajouter à l'archive, donc là vous pouvez
vous enlever de contrôle. Donc voilà, vous allez tomber sur cette petite fenêtre-là. Donc c'était ajouté à l'archive, pardon. Vous allez donc cliquer sur zip. Méthode de compression, vous allez choisir optimale. Taille du dictionnaire, on laisse 32 Ko, même s'il n'y a pas plus. Et vous faites OK. Le téléchargement, un petit téléchargement va se faire. Je vous reprends une fois que c'est terminé. Donc voilà, c'est bientôt terminé. Donc hop, on attend. Le fichier zip qui est là, vous allez le prendre et vous allez le mettre dans vos modes, hein, sans rien faire. Vous glissez et hop. Une fois que tout cela est fait, on va se rendre donc sur Farming. Voilà. Donc vous allez voir un petit peu tout le petit tralala que je vais, enfin, qui va avoir. Voilà. Donc vous prenez n'importe quelle carrière donc de votre map. Par exemple, je vais prendre celle-là. On va le lancer. Et on va voir ce que ça donne. Tout simplement. Donc c'est un tuto qui est assez facile à réaliser. Et tout simplement bah, facile pour tout le monde. Hop. Et donc on va voir au niveau des barrières si elles y sont. Et vous voyez que la barrière là ainsi que celle-là ont disparu. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce petit tuto, les amis. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, en laissant un petit like. Si vous avez un petit problème au niveau de vos bah, de la modification de la map, c'est-à-dire que si ça s'est pas fait, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. Je les regarderai et j'y répondrai forcément à tous pour vous dire. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, hein, en vous disant si j'ai déjà eu ce petit problème. Donc voilà. Donc l'épisode 2 sera tout simplement comment mettre des mods, enfin des bâtiments sur la map. Donc tout simplement ici, comme j'ai fait un petit creux, eh bien il y aura un autre bâtiment. Donc voilà. Oula, excusez-moi. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.